Madame la médiatrice est une personnalité importante de l'échiquier de ce pays. Elle est en charge, comme son titre, comme le titre de la fonction qu'elle exerce l'indique. Il est donc logique que, en tant que personnalité africaine en charge du dialogue politique dans ce pays, ou en mission pour le dialogue politique dans ce pays, je puisse la rencontrer et discuter avec elle. Je suis ici en mission d'appui au dialogue politique dans le pays, d'appui et de facilitation du dialogue politique dans le pays. Il est évident qu'avec tous les acteurs nationaux et internationaux qui sont partenaires de l'Union africaine, ma préoccupation première, c'est de renforcer les plaidoyers en faveur de la paix dans le pays et de la promotion de solutions politiques pacifiques pour ses difficultés, sa crise. Et deuxièmement, de renforcer les plaidoyers en faveur du dialogue politique de façon à contribuer de façon définitive à une solution de sortie de cette situation. Tous les acteurs avec lesquels j'ai discuté, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, sont des hommes tous de très grande valeur, qui ont une très très vaste culture de gouvernement et qui sont très responsables et soucieux des intérêts de leur pays. Donc je n'ai pas de doute qu'au-delà des difficultés du moment, le pays va retrouver le chemin de la paix et de la réconciliation.